Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va commenter des matchs que j'ai fait avec une team d'un abonné. Donc vraiment merci beaucoup à l'abonné qui m'a envoyé par YouTube le premier jour des DLC si je me trompe pas. C'est vrai que ça fait pas mal de temps, vu que le méta a quand même pas mal changé. Mais vous allez voir que c'est quand même assez cool. Bon, il y a des Pokémon qui sont pas forcément en méta. T'as par exemple Bulu qui était pas vraiment. On sait pas trop son potentiel en fait, on sait pas trop s'il va être fort. Et bah finalement il se retrouve qu'il est pas. Il est pas non plus incroyable. Et bah voilà. Il est dans la team, donc j'ai pu tester quand même Garchomp Rock. Donc Garchomp Rock, c'est défensif, entre guillemets, tank plutôt, donc tank chomp. T'as Tran, défensif par contre, Spedef. Donc t'as deux poseurs de rock, hein. T'as Itran qui pose les rocks et Garchomp qui pose les rocks, c'est assez spécial. Shuckle, bon, lui il pose pas les rocks, il pose la sticky, juste la sticky, mais c'est un Pokémon qui est quand même assez ouf, hein. Il pose la sticky, donc lui par contre il est plutôt correct. T'as Fulguris, Agility, Nasty Plot, T-Bolt, Focus Blast. J'ai pas vraiment réussi à faire marcher, mais la team en face, vous voyez que ça a pas vraiment. Bon, il peut quand même faire mal des Pokémon, mais c'est sûr qu'il y a des Pokémon qui bloquent. Ouais, c'est assez dommage, t'as Asgard par exemple. Et après t'as Urshifu O. Bon, on voit toujours pas le sprite, hein, sûr que c'est. C'est mal fait en vrai, parce que là il y a toujours le double type Fighting Dark, alors qu'en fait c'est un Pokémon des types Fight et Water. Donc ouais, ils ont vraiment mal, ils ont toujours pas fait leur truc, donc c'est un peu dommage qu'ils aient pas encore fait le changement. Ça me surprend pas mal, ça fait depuis 4 mois que je les ai sortis, mais finalement ils ont toujours pas. Bon, ils se sont dit que c'est pas important, mais sûr que c'est un peu dommage. Bon, c'est pas grave. Et donc la team en face, t'as du Skarmory, t'as du Tran, t'as du Zygarde, des Pokémon qui sont assez violents, Dracozolt. On connaît, t'as plus Coco et t'as du Articuno. J'aurais pensé qu'elle allait mettre un. Que le mec en face allait mettre un poseur de sand, hein, genre Tyranitar ou Hippowdown, mais il a pas mis, vu qu'il y a quand même Dracozolt. Avec t'as plus Coco, ça fait vraiment très mal. Bon. J'ai quand même ce qu'il faut pour checker les Pokémon. Mais j'ai quand même Garchomp, il y a quand même des sets qui ont évolué. Donc voilà, c'est vrai que c'est assez compliqué. Je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble. C'est parti. Donc hop, Shuckle qui est lancé tour 1 contre Skarmory. Donc ça, si je m'attendais, évidemment, c'est assez cool. Et je fais Sticky Web, hop, tour 1. Je me suis dit en fait, est-ce que j'ai knock-off ou est-ce que Sticky Web m'était dit que Sticky était quand même plus important. Et pour voir un peu ce qu'il allait faire. Et donc là, hop, je vais chercher Shuckle. Il a fait des fogs, il a fait des fogs. J'ai pensé qu'il allait continuer à faire Whirlwind, mais finalement non, il a pas fait ça. Et hop, le Tapu Koko, là je vais pouvoir faire un knock-off, hein, c'était évident. Là, soit il switchait et il faisait ça, soit en fait, bah il switchait pas et je knock-off Skarmory. C'est quand même une bonne nouvelle. Il a fait Volt Switch directement. Ouais, déjà il joue Volt Switch, hein, il joue pas U-turn. Un peu dommage. Bon là j'ai fait encore. Alors, et encore anticipant le Life Screen ou Reflect. Un peu compliqué, c'est assez. Bon, j'avoue que c'était pas un play vraiment ouf de ma part. Hein. J'ai pas fait un play qui est incroyable, même sur ce game, j'ai pas fait des plays qui étaient ouf, mais c'est juste pour montrer la team. La team qui est quand même en soi, elle passe pas si mauvaise que ça. C'est juste que bah j'ai pas fait des plays qui étaient ouf. Hop, le knock-off sur le Skarmory qui était Okaberry. Donc ouais, c'est toujours cette prise, surtout que j'ai Tran, donc c'est toujours. Si je me trompe pas, Okaberry c'est pour les attaques feu. Hein, si, oui, si je me foire pas. Hop, alors là par contre, j'ai fait une anticipation, j'ai anticipé Dracozolt. Et là en fait, j'ai oublié que le mec allait jouer. Allait jouer évidemment cette Dracometeor. Je pensais pas que le mec allait jouer Dracometeor, il a joué Dracometeor. Un peu compliqué, hein. Je pensais pas qu'on jouait ça. J'ai vite cette comme ça. Moi pour moi c'était vraiment un truc qui était pas méta, qui était juste. Voilà, qu'on mettait pas. Et en fait pour moi il avait pas vraiment le courage de faire Outrage. C'est pas vraiment worse, hein, parce que tu pouvais. Enfin, je pouvais aller sur Bulu et bah voilà. Ouais, c'est assez compliqué. Il me disait en fait il allait pas faire ça, mais finalement il l'a fait. Et en soi qui ne tue pas malheureusement, aïe, c'est compliqué. Heureusement il a switché. Il n'est pas resté, moi j'allais sur ta bulle en anticipant. Et par contre, ouais, il est sur Articuno d'Angalar, ça ne m'attendait pas du tout, hein. C'est un peu dommage ça. C'est-à-dire qu'en fait c'est un set lent d'Articuno d'Angalar et que, voilà, alors, là on voit pas maintenant, non c'est pas maintenant, c'est après. Je suis sur Tran juste pour voir un peu le check, pour check le set en fait, juste pour voir ça. Calm Mind il a, donc c'est plutôt pas mal. Et il fait toxique en anticipant un truc, en anticipant le fait qu'il n'avait pas switché, et bah finalement il est sur Tran, malheureusement. Et alors, spoiler qu'il ne tue pas, c'était un peu. Là j'ai vraiment fait des plays qui étaient pas ouf, hein. J'aurais dû en fait switcher sur un Pokémon, mais après, je sais pas trop sur quoi switcher en fait. Je me disais, Garchomp il a quand même pris pas mal de dégâts, donc c'est un peu compliqué. Et là, Skarmory par contre qui arrive, et là je me dis, autant de participer, parce que ça m'étonnerait qu'il raille sur son Itran. Et finalement vous allez voir que non, il a participé, parfait. J'ai même pas mis mon Magma Storm, il est même pas mort. Donc c'est Spedef Skarmory, hop, le protect de la part du Itran contre Dracozolt. C'est sûr que c'est pas facile. J'ai sur Garchomp, malheureusement j'ai un truc que je savais pas. C'est qu'en fait, regardez, comme c'est inefficace, je savais pas qu'en fait ça activait pas la Roskin quand c'était inefficace. Ouais, donc c'est un peu. Hop, Articodin qui arrive, le Bulu qui arrive sur le Pokémon. Et là par contre le problème c'est que j'ai mal anticipé. Et que bah je me dis, autant tenter un truc. De toute façon, il fait pas si mal que ça dans la game, donc autant faire l'attaque directement. Et là, je fais de lame de rock. Et là, je remarque en fait qu'il est plus lent que moi, vu que c'est un Calm Mind. Et je pensais qu'il jouait full vitesse sur Calm Mind. J'aurais pensé. Le problème, c'est qu'il est vraiment bulky. Ça va être full def, je pense, hein, full def, vu les dégâts. Bon, je peux pas anticiper ça, c'est pas grave. Hurricane qui me tue largement, un peu dommage. Hop, Urshifu Rapid Strike qui arrive. Par contre, là, je me dis, c'est gagné. Parce que là, mon Pokémon se fait toute la game. Là, c'est sûr. En fait, il suffit de Weekend Zygarde. Sans Zygarde, il va quand même prendre un minimum de dégâts sur l'attaque. Hein. C'est pas rien. Ça tape quand même plusieurs fois. Et hop, là, je suis Scarf. Donc, je suis bien.
Hop, crit, crit. Et crit, au revoir le coco après, vu que je suis quand même Scarf. Il pouvait pas vraiment skipper ça, c'est un peu. Il est obligé de sacrifier un Pokémon, je pense, hein. C'était vraiment évident. Hop, et il forfeit, parce qu'il sait qu'il a, il a encore Zygarde, mais Zygarde, j'ai encore des Pokémon pour gérer ça. J'ai encore des Pokémon qui peuvent faire mal, hein. J'ai encore sur le Karatrok, ça peut vraiment être chiant ça. Et en plus, c'est le crit qui ignore les changements de stats, donc Coil, au revoir. Et le deuxième match, contre un mec qui nous ramène du Blaziken, un Genesect qui était ban, mais j'ai fait les matchs il y a 2 jours, donc évidemment, il n'était pas encore ban, c'est assez évident. Après, t'as plus Coco, t'as du Lando, t'as du Amoongus, donc des Pokémon qui sont assez forts. J'ai jamais vu Amoongus d'ailleurs dans ce metagame, mais finalement, bah, le mec le joue. Bon, pourquoi pas. Pour check Urshifu, au cas où il a encore joué, bah moi je joue encore Urshifu, donc tu vois. L'abonné, j'ai encore Urshifu, donc tu vois que ça dans cette game ça servait. Et donc voilà, une team assez violente, hein. Il y a quand même du Genesect, ce Pokémon, c'est heureusement qu'il était banni. Hein. Moi je dis ça, je dis rien. Blaziken qui est assez violent aussi, SD. Alors des gens disent qu'il faut pas le ban, mais moi je pense qu'il faudrait, vu la violence du Pokémon, ça te force à jouer des trucs, mais alors. Alors en fait, il n'y a rien qui vient dessus, donc c'est ça qui est un peu dommage parce que bah, c'est le principe en fait. Feu, combat et sol, il n'y a rien qui vient dessus, donc même feu. Même feu et sol de base, qu'est-ce qui vient dessus? Quasiment rien. Donc tu vois que ouais, tu rajoutes l'attaque combat derrière, ça fait vraiment trop mal. Donc voilà, c'est assez violent, t'as du Kyurem noir qui peut être chiant aussi, donc vous allez voir que assez compliqué, mais hop, le lead Amoongus, le lead Garchomp, j'ai Garchomp là cette fois, j'ai pas lead Shuckle, j'aurais plus lead Garchomp, mais au final regardez. Enfin, j'aurais pu lead Shuckle plutôt. En fait regardez, là il fait sport. Et il a sport mon Karchakrok. Ça je m'attendais évidemment. Logique, et je me dis bah c'est pas grave. C'est pas grave vu que. Attends, en fait mon Garchomp, qu'est-ce qui. Check en fait, à part en fait le truc qu'il faudrait faire avec ce Pokémon, c'est juste poser les rocs, il l'a déjà fait, et bah, faire en fait en sorte qu'il prenne les demi-tours, et bah c'est cool. Parce que oui, c'est parce qu'en fait, même endormi, il peut quand même faire prendre le rocket, Helmet et la peau dure, donc c'est quand même assez logique. Donc voilà, demi-tour de Coco et Lando, il pourra bien les prendre. Aussi Genesect, ça, potentiellement, ouais, donc c'est plutôt cool. Et aussi Blaziken, il peut checker. Alors, il peut faire quand même pas mal de trucs, hein, je veux dire, ce Pokémon, mais je me dis qu'en fait, même endormi, il peut quand même faire des trucs, donc c'est pas vraiment un Pokémon qui est trop important à ce niveau-là. Et hop, le Heatran. Le train qui arrive sur le Kyurem noir. Alors Kyurem noir par contre c'est un peu compliqué. Hein. Kyurem noir là je ouais dans Draco. Et là je vais faire Magma Storm, vous allez voir ça. Magma Storm qui fait quand même des dégâts qui sont assez respectables, hein, 39%. Donc en fait ça veut dire qu'avec les restes, et bah je peux quand même le tuer avec Magma Storm si je ne mise pas le deuxième. Et je ne mise pas, oui. Première fois de ma vie que je ne mise pas de Magma Storm d'affilée, c'est vrai que c'est assez rare, hein. Vous connaissez ma chance légendaire. Évidemment là il va faire. Il va arriver sur Orlando, il va faire l'attaque des Fog. Il n'a pas fait demi-tour. J'aurais pensé qu'il allait faire demi-tour en type un truc. Mais non. Donc c'est Lefto Lando, et là il fait demi-tour, et là par contre oui c'est cool, c'est vraiment ce cas là que c'est vraiment cool d'avoir la peau dure plus Rock Helmet, hein, et même endormi je peux quand même le faire. Par contre là ouais, je suis Karchakrok rapide, donc évidemment je dépasse le Blaziken, je me suis réveillé, j'ai eu de la chance. Bon, c'est quand même assez ouf ça. J'ai eu la chance de me réveiller tour 1, donc c'est quand même assez cool. Et hop, Heatran qui arrive sur le terrain. Alors il me semble que lui il avait non, je me trompe de game. Il me semble qu'il avait Technoblast. Je me foire pas. Non, il a pas Technoblast. Non, non. Non, je me trompe de game. C'est l'autre game qu'il avait Technoblast. Voilà. Que je n'ai pas mis dans la vidéo évidemment. Hop, le Tapu Koko qui arrive sur le Pokémon évidemment parce qu'il va mourir sinon. Le Magma Storm qui arrive sur le Tapu Koko, ça fait vraiment mal. Hein. Ça, on voit les dégâts qui sont assez monstrueux. C'est un peu dommage. Le Protect de la part de Heatran, et oui, là c'est assez compliqué. Discharge, donc il joue pas T-Bolt, il joue Discharge. Ok, bon, c'est pas non plus la mort. Hop, Discharge, c'est qui meurt Magma Storm. Au revoir Koko. Donc c'est non, qu'est-ce que je dis? Je croyais qu'il allait mourir du. Non, je me trompe. Je crois qu'il allait mourir du Magmaster, mais non, il est pas mort parce que, évidemment, j'ai oublié qu'en fait, ça, quand c'est une attaque quand tu switch, et bah ça ne fait plus de dégâts. Malheureusement, mais de toute façon, je sais qu'en fait, Garchomp il me touchait pas, donc c'était quand même assez safe. Enfin, soit il avait demi-tour et il mourait sur le truc, soit il avait rien en fait, là il n'y a plus les PC, donc c'est quand même assez safe. Et là, je savais que j'avais gagné, vu que j'avais encore Tran et Tran contre Amoongus, plus Genesect, j'ai envie, j'avais encore Lando pour pouvoir check. Enfin, c'est vraiment un truc qui était assez cool. Donc, très très bonne game, je trouve. Enfin, vraiment, la team est quand même intéressante. Vraiment, même si c'est vrai que TabuBlue est pas forcément très méta, et c'est sûr que c'est pas non plus incroyable, mais en vrai, par rapport à. Enfin, compte tenu de la situation dans laquelle il la build, bah, c'est plutôt bien. Donc, bah, GG à toi, l'abonné. Je la mettrai en description de la team si vous la voulez. Donc, bah, c'était Couillot. À demain pour soit une fiche strat, soit un autre match commenté. Des news, il y a plein de news partout en ce moment. Donc, en plus, confinement en plus, donc c'est vrai que ça va être assez facile. Voilà, je vais m'organiser pour faire des vidéos. Pour les gens qui restent chez eux, donc les non collégiens, non écoliers, les gens qui travaillent, voilà, je ferai ça. C'était Couillot, à plus.